Yo les gros, nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes séances 1RM, c'est-à-dire développé couché, deadlift et squat. Aujourd'hui on part sur le deadlift, vous l'aurez compris avec le titre. Alors, j'ai déjà testé mes max au deadlift il y a plus ou moins un mois. Alors j'étais à 220 kg sans les sangles, sans les bandes de poignets en fait. Moi la partie qui me manquait c'était le verrouillage des lombaires, c'est-à-dire verrouiller la barre, la partie finale. Vraiment là à ce niveau-là j'avais du mal à verrouiller. Et du coup dès que je me suis mis à mettre les bandes en fait, j'ai fait 220 kg easy. Ensuite j'ai décidé de faire la barre au-dessus, donc le petit cran au-dessus, j'ai fait 230 kg, c'était passé plutôt facilement on va dire. Et j'avais pas testé 240 ni 235 d'ailleurs. Puisqu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était entre midi et deux, il y avait beaucoup de monde. Et je faisais chier déjà un peu les gens avec ma barre un peu en plein milieu. Enfin bref, du coup j'avais pas tenté plus et puis j'étais pas dans le mood de tenter plus avec tous les gens qui me regardaient, franchement voilà. Là il est un peu plus tôt, il est 10h du mat. Du coup normalement ça devrait aller. Donc là aujourd'hui on va faire le 1RM. On va vraiment donner tout ce qu'on a, on va aller jusqu'à l'échec, jusqu'à ne pas soulever la barre. Enfin, je pense que dans tous les cas je pourrais la soulever. Là où je bloque moi c'est au second point critique, c'est-à-dire à peu près à mi-cuisse, la partie finale comme je vous ai dit. Du coup voilà, on va tenter, je pense, on va se faire une petite barre à 200, peut-être 2-3 reps histoire d'eux. On va faire 220 une seule fois, 230. Ensuite selon le ressenti à 230, soit je fais 235, soit je fais 240. Je pense que c'est plus judicieux de faire 240 après 230. Au moins comme ça je garde du jus pour la 240. Et si jamais la 240 passe pas, je tenterai 235 histoire de faire un PR et de faire mieux que ce que j'avais déjà fait auparavant. Voilà, bah écoutez, je pense que on a fini un peu cette petite introduction. Et puis voilà, force à moi-même, je vais mettre la musique avec le téléphone vu que je filme avec. On va se foutre du gros son, on va s'ambiancer comme il faut. Et puis c'est parti. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a get it back, yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot it. Les gars,
gars, bon, je vous prends ici, on s'arrête là. Du coup, je suis pas monté plus que 230 kilos. C'est-à-dire que j'ai fait 230, vraiment avec la rage du terre-terre. J'ai même poussé un cri que j'avais jamais fait à la fin, de toute façon. J'ai hésité avant de mettre cet extrait parce que j'avoue que on dirait un peu un fou. Même si j'aurais tenté 235, je pense pas que ça soit passé. Ça serait monté, peut-être au niveau des genoux, mais après, j'aurais pas su la verrouiller. J'ai vraiment tout donné sur la 230 au verrouillage. Par contre, là où j'ai été un peu con, c'est sur l'échauffement. J'ai fait une barre à 200 kilos, notamment, que j'ai fait 3 fois. C'est beaucoup trop. J'aurais dû me contenter de faire qu'une seule répétition. J'en ai fait 3 parce que j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois, je me chauffe et j'en fais trop. Je me sens super à l'aise et je me dis, allez, nique sa mère, j'en fais tellement. Après, je me crame en fait, c'est débile. Même à 180, je sais plus combien j'en ai fait. J'en ai peut-être fait 5 ou 6. J'aurais peut-être dû là en faire une, voire à la limite 2, mais c'est tout, quoi. Voilà, ça a peut-être changé la donne, mais bon, c'est pas grave. 230, c'est une super belle barre. L'objectif, si vous me suivez sur Instagram, il s'affiche en bas de l'écran. Je me suis fixé comme objectif de faire 250 kilos. Je me laisse jusqu'à à peu près début mai avant de commencer la sèche. Comme avec la sèche, logiquement, je vais avoir un peu moins de force. Je vais perdre du gras, je vais perdre du poids. Forcément, je serai un petit peu moins fort. Du coup, je vais tout faire pour passer les 250 avant d'entamer cette sèche début mai, du coup. Non, ensuite, bah, j'ai fait une séance d'eau que je vous affiche aussi en même temps sur l'écran. J'ai fait du tirage poitrine, du coup, tout simple. On tire bien au niveau de la poitrine et on remonte bien. Celui-là, il est excellent pour le recrutement du dos. Il y en a beaucoup qui font du tirage nuque, mais celui-là, il est vraiment pas bon, que ce soit pour les cervicales ou pour les épaules. C'est pour ça que je vous conseille le tirage poitrine. Et surtout qu'avec le tirage poitrine, vous travaillez notamment beaucoup plus le grand dorsal que sur du tirage nuque. Ensuite, je suis passé sur du tirage horizontal en machine guidée. J'aime bien celle-là parce que je peux faire une petite rotation interne à la fin du mouvement. C'est-à-dire que, hop, quand on est là comme ça, on vient amener l'épaule en avant. Quand on tire, on est en prise neutre, en prise marteau. Et quand on ramène devant soi, hop, on passe en prise pronation, du coup. Ça fait une rotation interne des épaules. Et c'est pas mal parce que comme ça, on va étirer plus le grand dorsal et mieux le travailler. Ensuite, bah là, j'ai pas filmé du coup, mais je suis passé sur du pullover à la poulie. Il y en a beaucoup qui le font à la corde, mais moi, je me sens plus à l'aise, donc je le fais à la barre droite. Ça, c'est un exo de finition. J'aime bien le faire en finition, faire des séries un petit peu plus longues dessus pour bien congestionner. Et je finis en général par un peu de trapèze, donc avec des shrugs aux haltères. En général, je prends à peu près 20 kilos et je fais des séries de 15-20 reps en faisant super gaffe sur le tempo, en faisant pas du super lent, mais quasiment, quoi. Sinon, ça m'arrive aussi de le faire à la barre droite, tout simplement. Bah voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Je vous ai expliqué tout ça. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi votre performance maximale, votre 1 RM au soulevé de terre. Dites-moi ce qu'il en est. Dites-moi si vous vous entraînez pour pousser. Pour pousser, bah du coup, non. Pour tirer plus lourd. Quel est votre objectif? Voilà, j'attends vos commentaires. Et puis sur ce, ben voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. C'est là que je poste tous mes entraînements. Je poste un peu ben, toute ma vie. Bref, c'est le principe même d'Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et c'est un petit pouce bleu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de l'avoir tourné. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.